Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live et Réflexion. Réflexion, aujourd'hui nous sommes le 30 mars 2024. Nous commençons petit à petit à reprendre nos habitudes, c'est-à-dire nous retournons au studio normal de Contact Pro Live que nous n'avons pas revu pendant un bon bout de temps, pendant un mois. Nous étions justement en train d'aménager, mais ce n'est pas encore fini. Il y a des choses que nous continuons toujours à essayer un peu de fixer par-ci, par-là, un bouton, un ordinateur. Et je crois que vers la fin du mois de mai, nous aurons pratiquement à reprendre le studio en entier. Et donc, nous sommes en train de travailler là-dessus. Donc, c'est là pour vous demander de nous excuser sur la qualité du son, même de l'image. Peut-être si ça baisse un peu, ça sera que nous ne sommes pas encore au maximum ou bien nous n'avons pas encore optimisé nos matériels que nous avions acquis dernièrement. Merci en tout cas d'être nombreux à avoir confiance à cette émission. Merci en tout cas à ceux qui continuent à nous faire confiance en s'abonnant surtout sur cette émission. Cette émission est devenue une émission de masse, ce n'est plus une émission d'élite parce que vous aviez manifesté cette intention-là de me parler, de m'appeler et de partager surtout. Ceux qui ne partagent pas encore ces émissions, pour que cette idée ici puisse aller à tomber peut-être dans les oreilles de quelqu'un qui aura cet courage de changer les choses en République démocratique du Congo, il est temps de bien le faire. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Nous allons parler de quoi, s'il vous plaît, dans cette émission? Cette émission, c'est une émission de réflexion, vous savez. Nous aurons à réfléchir sur trois sujets. Le premier sujet, ça sera la sortie du gouvernement. On a vu que le formateur ou bien l'informateur et formateur a terminé son travail et les informations nous précisent que non, il a remis son papier au président de la République qui, du reste, devrait décider. Nous en parlerons. Le deuxième sujet dont nous allons évoquer ici, ça sera l'Est de la République démocratique du Congo. Comment est-ce que Félix Tshisekedi a pu dribbler la population avec la situation à l'Est de la République démocratique du Congo pour enfin attirer l'attention de cette population pour l'aimer? Et là, je parle de la diabolisation de la guerre à l'Est qui a fait à ce que le président de la République ait les béquilles pour être soutenu par une grande partie. Ça, nous ne pouvons pas le dénier. Beaucoup de gens ont soutenu le président de la République car il avait tenu des langages dont veut entendre le peuple congolais. La guerre avec les Rwandais, nous allons en parler. Et le troisième sujet que nous allons en parler, c'est le M23 qui continue à se solidifier. Le M23 qui continue à recruter, qui continue à voir des icônes de la politique congolaise arriver dans son camp. Nous allons réfléchir aussi sur ce sujet-là. Voilà les trois sujets qui vont nous préoccuper, qui vont nous relire aujourd'hui. Et une chose avant aussi de passer à autre chose, c'est que je voudrais attirer l'attention à tous ces beaux mondes qui voudraient me voir aussi faire les émissions live, parce que vous êtes nombreux à me demander pourquoi est-ce que vous aviez stoppé ces émissions live. C'est le sujet que je vous avais dit au départ, que nous sommes en train d'y travailler pour que nous puissions avoir un bon son, nous puissions avoir l'émission de qualité, et notre studio est en train, nous sommes en train de le faire, ne vous en faites pas, peut-être incessamment, je ne vous dis pas encore quand, où nous aurons encore à reprendre ces émissions live. Comme d'habitude, donc, avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraît ce samedi sur Internet. Donc, nous allons vous lire ces grands titres et nous revenons tout de suite après pour développer notre sujet. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. RDC, qu'est-ce qui explique la visite de l'entrepreneur Georges Arthur Forest chez Félix Tshisekedi? Boutembo, après l'attaque de son convoi, la MONUSCO réagit. Et puis Ituri, Samuel Ajaruva, élu président de l'Assemblée provinciale.
Le média interdit de diffuser des informations du 1-23. On va sur actualité.cd. Ensuite, qui vous course au gouvernorat, les candidatures de Didier Kamere et Jean-Marie Mbapori qui déclaraient irrécevables, invalidés par la CENI comme candidat gouverneur. Deo Kasongo promet d'introduire les recours. Kwilu, évasion à la prison de Massimanimba. Les deux détenus atteints par le barbal ont été inhumés. Congo profond, le défi de Mbororo à Niangara, une cohabitation sous tension dans le haut Ouélé. Demande de suspension légale du PPRD, réflexion sur l'excès des zèles dans la politique congolaise. Culture, le premier numéro de Café. Culture marqué de début. Marque les débuts des grands défis dans le secteur culturel. 7 sur 7, prison centrale de Makala, c'est lui qui a dit, qui a fait 21 ans ici sans être jugé, est un menteur. Il a été condamné. Adhésion du membre du PPRD à l'AFC de Nanga, Eliezer Tambwe demande le retrait de l'agrément du parti et la mise de ses cadres sous haute surveillance. RDC, le PPRD se désolidarise de ce cadre qui rallie la rébellion M23 RDF via AFC Nanga. On va terminer par Radio Okapi. Peine de mort en RDC. L'ONG Olige redoute que les décideurs politiques éliminent les adversaires. Goma, peine de mort équipe aux 11 officiers militaires. Enfin, Kinshasa, au moins 69 détenus bénéficient de la libération conditionnelle à la prison centrale de Makala. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mesdames, demoiselles et messieurs, merci beaucoup. Donc, vous pouvez aller lire donc, en détail tous ces grands sujets qui vous ont été lus dans cette partie-là. Donc, on commence par le commencement, c'est-à-dire le gouvernement de la République démocratique du Congo. À quand? Peut-être que c'est ce week-end. Peut-être que c'est début de la semaine prochaine. Parce que l'informateur qui devrait aller trouver la majorité au Parlement a fini, selon ses dires, ce travail. Et il a déposé son papier à la présidence de la République qui devrait décider. D'abord, sur cette procédure-là, Bandeko, c'est constitutionnel. C'est moi, je crois que c'est une faute que nous avions commise. Parce que la majorité au Parlement, la majorité, c'est-à-dire une idéologie qui est incarnée par beaucoup de députés au Parlement. C'est une idéologie. C'est un courant politique pour la gestion de notre pays. Et quels sont ces courants politiques? Malheureusement, en République démocratique du Congo, ce n'est pas ça qui nous préoccupe. En République démocratique du Congo, ce n'est pas ça qui nous préoccupe. Quand vous attendez majorité au Parlement, on se pose la question, majorité de quoi? Ça, c'est ça le grand problème. Réfléchissons un peu, mes chers amis. Ils sont majoritaires sur quel point? Quelle est l'idéologie que beaucoup de gens en République démocratique du Congo voudraient implémenter dans la gestion de notre pays? Ces députés-là qui sont au Parlement devraient se liguer selon une idéologie politique pour la bonne conduite de notre pays. Sommes-nous des socialistes? Sommes-nous des capitalistes? Sommes-nous de tous ces courants politiques? Sommes-nous de la gauche, de la droite? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire sur le mode de gestion. Les partis politiques, quand ils sont créés, il doit y avoir une certaine idéologie démocrate. L'UDPS, par exemple, par ses acronymes, on dit que c'est l'Union pour la démocratie et le progrès social. Donc ce sont des courants socialistes. Nous avons les courants, par exemple, de Kamere. Qu'est-ce qu'il dit? Comment on appelle ça encore, son parti politique?
ce pas-là. Donc, j'ai même oublié parce que ça, il n'en compte même plus. Il y a les AFDC, il y a des partis, tous ces bons partis, il y a même des tshisekedistes. Le tshisekedisme, on ne sait pas si c'est basé sur quel mode de gestion. Tout ça, c'est tout ça. Donc, vous voyez comment est-ce que nous sommes embrouillés et finalement, nous ne savons pas où nous sommes. Et de quelle majorité on peut parler au Parlement? Et comment l'obtenir? La majorité au Parlement, c'est comme je vous disais, donc, les partis politiques, socialistes ou capitalistes, ou une certaine courant philosophique de la gestion. Les partis politiques sont créés pour imaginer, pour se positionner, pour réfléchir et prendre une position. Allons-nous être des socialistes? Allons-nous être des démocrates dans la gestion de notre pays? Et ils forment ces députés, ils forment ces cadres dans cette idéologie-là dans laquelle ils font. Maintenant, nous posons la question, l'UDP se forme dans le progrès social, ça veut dire comment? Quel est le mode de gestion de l'UDP? Voilà dans le point qui semble être ignoré par même ceux qui veulent arriver au pouvoir. Ensemble pour la République, quel est le mode de gestion? Sommes-nous des capitalistes? Sommes-nous des socialistes? Maintenant, en arrivant au Parlement, regardez comment est-ce que nous y sommes. Nous y sommes avec beaucoup de gens qui supportent, dont nous étions dans la mafia. Et quelle était l'idéologie? C'était justement promouvoir un homme. On se bat pour la promotion d'un homme. Et c'est ça l'aberration qui est là. C'est ça la grande aberration que nous avons. Tout le monde se bat pour un seul homme. Et cet homme-là, c'était quoi? C'est le leader du parti politique. Donc, nous savons que les gens se battaient aux élections pour que Félix Tshisekedi prenne le pouvoir. Qu'importe la gestion qu'il va faire, que Félix Tshisekedi puisse être comme président de la République. Et c'est ça le combat. Le combat, ce n'est pas le combat d'idéologie ou bien de mode de gestion du pays. Parce que Tshisekedi est là, c'est tout. C'est ça que les Congolais veulent. Et donc, c'est comme ça les cosmétiques que revêtent les Congolais. Et dans tous les domaines possibles, ce sont les hommes qui sont vantés. Pas ce qu'ils sont, mais les hommes, comment ils sont. Bazaba Gaillard, Bazaba Tribu Fulani, ils viennent d'où? Il est qui? Ce sont des hommes, mais pas d'idéologie politique. Et la différence, vous l'avez vu avec ces jeunes gens du Sénégal qui viennent et ils expliquent leur mode de gestion. Comment est-ce qu'ils vont aborder la rupture? Et comment est-ce qu'ils vous disent, sur la base des résultats que les autres ont fait en disant, regardez ce qu'eux, ils ont fait. Mais nous voulons faire la rupture par une mode de gestion saine comme ça. Ces discours-là, nous les avions aussi entendus en République démocratique du Congo. Nous avions entendu ces discours, l'état des droits, ceci. Mais nous n'avions pas réfléchi comment y parvenir. Nous n'avons pas réfléchi. Nous n'avons pas vu l'importance de ce parti politique. Le parti politique, lorsque vous y entrez, c'est pour chercher du travail. Et quel travail? Être dans les institutions, être dans le mangeoir. C'est ça qui anime les Congolais et c'est ça qui nous fait défaut en nous redressant. Donc, vous voyez, donc, cette majorité-là au Parlement n'a aucun sens. On va trouver une majorité sur quel point? Qui sont ceux-là qui aiment beaucoup plus Tshisekedi? C'est cette majorité-là parce que Tshisekedi a gagné les élections à 73% sur 73%. Donc, il n'y avait plus question d'avoir beaucoup d'opposants là-bas. La majorité, selon... Maintenant, il a fallu trouver dans cette majorité qui a gagné les élections, qui aime beaucoup plus le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, parce que tout le monde le supportait. Vous aviez vu dans la campagne, il n'y avait pas le mode de gestion, on n'en parle pas. On parlait des hommes, on parlait de l'homme, l'homme Tshisekedi. Et donc, la majorité au Parlement était déjà claire.
Il a fallu maintenant trouver la majorité, c'est-à-dire ceux qui aiment beaucoup plus le président de la République, ceux qui sont plus loyaux, pour qu'ils puissent former cette majorité-là, d'où sortira le premier ministre. Et encore, regardez, mes frères, ce n'est pas eux qui vont se choisir un premier ministre selon un programme, on n'en parle même pas. C'est le président de la République qui va se choisir un homme avec qui il va travailler. Le programme n'a plus d'importance. Le programme n'a plus d'importance. Les Congolais n'ont pas besoin de savoir comment ils seront gérés. Et c'est ça, cette aberration. C'est ça qui nous fait mal. Bayi bambongo, te talibiso te ke pourvu ke bango ne mutuba kozala wana. Que la guerre termine ou qu'elle continue, ce n'est pas leur problème. Qu'on vole les minéraux ou quoi que ce soit, ce n'est pas leur problème. Comment la gestion du pays sera, ce n'est pas leur problème. Leur problème, c'est que ce sont ces hommes-là, leur tour arrive à ce qu'ils puissent aussi être à la mangeoire. Voilà un peu ce que je pense sur ce premier sujet. Et je vous fais réfléchir aussi en disant, nous sommes dans le faux. Nous n'avons pas encore sorti de l'auberge. Nous sommes toujours dans le faux. Et tout ça, on néglige le côté vérité. Nous sommes dans le faux, mes frères. Nous sommes dans le faux. On veut pérenniser Félix Tshisekedi au pouvoir, mais le pouvoir pour le pouvoir. Qu'est-ce qu'on fait? Comment terminer cette injustice qui gangrène notre appareil judiciaire? Comment terminer cette cercle d'insécurité à l'Est? C'est une mode de gestion. Il faut temporiser. Il faut une fédération des idées et une fédération de tout le monde sur une table pour que nous puissions réfléchir. Mais ça ne nous préoccupe pas. Surtout ceux qui ont les rênes du pouvoir, ce n'est pas leur problème. Ça viendra comme ils vous disent. Et quelqu'un me dit, ce n'est pas tes réflexions qui feront à ce que le Congo change. Mais je ne sais pas si ces gens-là qui pensent qu'il y aura les anges qui descendront pour venir changer les choses en République démocratique du Congo. C'est malheureux. Mes chers amis, allons-y dans notre deuxième point, qui est de savoir comment Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir. Quel est le point qui a été le plus attendu et qui a fait basculer même la campagne électorale pour voir que beaucoup de Congolais ont donné leur vote à Félix Tshisekedi. Alors, Félix a fait voir Bande Konangai, awa botikangana lobata na lingala na kolobango pe na swahili, parce que ça concerne la vie de notre République. Je ne suis pas défenseur d'une tribu. Félix Tshisekedi est sorti tribaliste. Il est sorti extrémiste. Et il a promis de faire fuir Kagame de son pays. Parce que ce qui nous embête en République démocratique du Congo, ce sont les Rwandais. Selon Tshisekedi, ce sont les Rwandais qui nous embêtent. Il est venu avec un discours de haine. Félix Tshisekedi a été adopté par les Congolais par ce discours de haine, ne sachant pas qu'il est en train de se mettre, de se tirer une balle dans le pied. Ce qui est aussi ici, c'est que les Rwandais ne sont pas awa. Ils ne sont pas Congo, ils ne awa. Ce qui est aussi ici, c'est que les Rwandais ne sont pas Congo. Bangonde baba bandoki. Et d'ailleurs, le président de la République déjà avait traité certains des Congolais de ndoki. Regardez comment est-ce que cette haine qui a surgi encore une fois de plus lorsque on attend qu'il y a une icône, une personnalité connue à traverser, il est des côtés de la rébellion. Balobi, il faut pas pendre bango. Et cette haine-là, vous avez vu, s'est matérialisé par le truc là de moratoire de la peine de mort qui a été levé. Donc, on va commencer à pendre les gens. C'est ce discours de haine qui est en train d'être continué, à être perpétué par le gouvernement actuel, par le président actuel.
Tokobanda ko boma bango, ba traître. Mais qui est traître qui ne le pas? N'est-ce pas le traître qui détourne les fonds publics? N'est-ce pas ça le grand traître qui nous maintient dans cette pauvreté inouïe? N'est-ce pas que le traître, c'est celui-là qui ne veut pas assez que le Congo puisse avoir de l'argent? Que l'argent soit dans les poches des gens et que le Congo soit démuni de ses moyens. La redistribution des richesses n'est pas équitable. Les gens sont laissés à leur merci. La pauvreté gangrène dans tout le pays, sur toute l'étendue de la République. Comment on peut faire 3 mois, 4 mois sans un gouvernement? Il n'y a pas d'urgence. Et donc, moi, je pense que les gens s'attendaient à ce que, ok, nous avions détecté l'erreur ou bien la faute qui fait à ce que nous soyons pauvres dans notre pays, c'est à cause de Kagame. Et celui qui est le père de cette idée-là, c'est justement le président de la République. Il a dit dans un meeting que Kagame ne dormira plus chez lui à la maison. Et les Congolais l'ont applaudi. Les Congolais l'ont applaudi en disant que voilà, parce que vous connaissez maintenant le secret. Le président s'est montré confiant et confident lors de ce discours-là. Mais ils ont été déçus lorsqu'il disait que non, je n'irai plus en guerre avec le Rwanda. C'est parce qu'il continuait à parloter comme ça, sans savoir de quoi il parlait. Les Congolais sont déçus aujourd'hui parce que la guerre continue, parce que celui qu'on disait que c'est celui le monstre qui nous empêche à nous développer, c'était Kagame. C'est ça le discours que le président de la République a tenu pendant presque les 15 ou 20 derniers jours de sa campagne. Je ne sais pas si beaucoup l'ont remarqué. On a continué à diaboliser les Rwandais en même temps, se trouvant qu'il était coincé, le président commence à dire que non, nous n'avons pas de problème avec les Rwandais, mais nous avons des problèmes avec Kagame. Quelle contradiction! Oh non, ce n'est pas notre pays qui a un problème avec les Rwandais, mais nous avons un problème avec ceux qui gouvernent les Rwandais. Non, mon frère! Non! Le peuple congolais et le peuple rwandais sont presque le même peuple parce qu'ils habitent la même frontière. Mais lorsque nous avons des problèmes d'État à État, ça touche le peuple. Nous devons avoir des mesures en place qui manifestent ce que nous avons comme mécontentement de ces dirigeants-là. Et donc le président s'est contredit sur ce dossier-là. On ne sait pas exactement si nous sommes frères à Kagame ou nous sommes des ennemis ou quoi que ce soit. Entre-temps, la guerre du M23 continue. Donc le président sur ce point-là a échoué après avoir eu la confiance du peuple en disant « Ok, allons-y maintenant ». Comme tu as dit, nous ne voulons plus parce que vous aviez dit que le problème c'était le Rwanda. Or, c'était se tromper. Notre problème, je vais vous le dire en dernière minute ici, donc dans les solutions comme nous faisons dans les réflexions, je vais vous dire pourquoi. Donc, restez branchés et si vous n'êtes pas encore abonné, profitez-vous dans ce moment ici de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification ici pour que vous ne puissiez pas manquer nos vidéos lorsque nous le mettons en ligne. Et donc sur ce point-là, cette diabolisation a pris de la mayonnaise, mais le peuple congolais est déçu. Pourquoi je dis qu'il est déçu? Les gens se disent non, nous ne sommes pas déçus. Oui, parce qu'il n'y a aucun changement. La politique est la même. Nous avons un président qui ne sait pas exactement ce qu'il va faire dans 2 semaines. Il va chercher où il y a une réunion à l'extérieur pour qu'il aille là-bas. Regardez avec le périple qu'il est en train de commencer à s'éloigner toujours de son pays. Au lieu de rester pour travailler, non, lui va dans des visites. Et tout ça, c'est le peuple, c'est le Congo qui en sort victime. Nous sommes victimes de notre président de la République, excusez-moi le terme. Voilà, donc cette diabolisation... Le peuple congolais aujourd'hui ne sait pas exactement où se trouve. Est-ce que le M23 va continuer jusqu'à Kinshasa ?
C'est le troisième point dans lequel nous allons aborder maintenant. Le M23 avance. D'abord, posons-nous la question d'abord. Est-ce que ces gens-là font la guerre pour la guerre? Je ne pense pas. Il y a certaines revendications qui sont sur table et qui sont vérifiables de ces M23. Écoutez, moi je ne parle pas pour le M23. Moi je suis en train de réfléchir comme Congolais. Pourquoi cette guerre perdure? Comment est-ce que nous pouvons l'arrêter? Comment est-ce que nous pouvons nous prendre en charge pour que nous puissions arrêter cette hémorragie qui continue à gangréner et que l'histoire continue à se répéter? L'AFDL a commencé de cette façon-ci. Je vais vous dire une chose. Les revendications de M23 sont sur la table de la communauté internationale. Parce qu'ils savaient bien que cette histoire... Le Congo ira de ce côté-là pour chercher de l'aide. Le Congo devrait arriver là-bas, mais ils se sont préparés de ce côté-là. Comment ils savaient? Parce que, justement, depuis 5 ans que le président de la République a pris le pouvoir, il n'y a eu aucune réforme au niveau de l'armée. Malgré que nous sachions que notre armée était infiltré, était une armée qui était à la merci des Congolais. C'était une armée qui n'était pas une armée. C'était un lion en carton. Nous connaissions ce qu'il faut faire, mais nous ne pouvons pas le faire. Toyeba ki o, il fallait tout ça là, mais tout ça là en côté. Nous n'avions pas une armée républicaine. Kabila ne nous a jamais laissé une armée républicaine. Mais regardez, lors des passations du pouvoir entre Kabila, Joseph et Félix Tshisekedi, comme c'était la même chose, comme le président de la République s'était déjà entendu, ils se sont parlé en disant, nous devons maintenir cette histoire de cette façon-là, ne bougez pas ici, ne bougez pas là. Moi, j'ai dit que c'était la continuation de la politique de Joseph Kabila, dont nous, peuple congolais, nous déplorions de plus en plus depuis 2013, depuis 2014, depuis 2015, et tout ce mandat-là, nous avions dit que Kabila était en train de détruire le pays. À cause de quoi, finalement? Restez avec moi, car nous allons aborder cette thèse dans la partie de la solution. Et donc, le M23 continue et il frappe le FARDC. Le FARDC pleure.
il n'y a pas moyen, le peuple, le président de la République, sachant que son armée n'était pas à mesure de faire la guerre, il va appeler la MONUSCO d'abord, qui était là. La MONUSCO dit que non, nous ne sommes pas venus ici pour combattre, nous sommes ici pour appuyer le FARDC. Or, le FARDC, la MONUSCO a donné ses rapports, beaucoup de rapports, en disant, voici les failles qui sont dans le FARDC. Corriger, on n'a pas voulu faire ça. On n'était pas sérieux dans ce que nous faisions. Le président de la République avait des rapports sur ces généraux qui étaient des aventuriers, qui faisaient des histoires, qui faisaient des trafics et toutes ces histoires-là. Mais lui n'a pas entendu ça de cette oreille-là. On n'a pas fait quoi que ce soit. On s'est limité à déchoir certains généraux, interplacer ces généraux, mais aucune réforme sérieuse de l'armée n'a été jamais entamée depuis 5 ans, depuis que le président était au pouvoir. La MONUSCO avait dit, mais finalement le peuple congolais, il y a eu grogne à Butembo, à Beni, de l'autre côté là-bas, où on disait la MONUSCO était complice de ce qui se passait de l'autre côté. Et donc, avant la deuxième venue du M23, donc, cette histoire-là était là. Et le président de la République n'a jamais fait, disons, le gouvernement de Félix n'a rien fait dans ce domaine-là de l'armée. Et l'armée est restée comme ça. L'armée est restée donc faible. Nous ne nous sommes pas réorganisés de ce côté-là. Et donc le M23 est venu, comme tout groupe armé, parce que le M23, le second ici, a trouvé déjà les situations au nord, en Ituri, et toute l'insécurité, les Mobondo. Finalement, le M23 s'est réorganisé. Ils ont commencé encore à attaquer. Et le M23, c'est qui? Nous avions dit que c'était leur père, c'était Kagame. Kagame sait, Museveni connaît. Ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup approché Félix pour qu'on puisse faire des projets de développement. Mais je crois qu'eux aussi ont senti que Félix Tshisekedi ne voulait pas réorganiser son pays. Ce n'était pas leur problème. Ils ont présenté au président de la République certains projets de développement en disant nous allons construire les routes, notamment l'Ouganda, le Rwanda, avec dire que non, bon, il faut qu'on fasse des traitements de l'or au Rwanda et tout ça. Tout ça, ce n'était qu'une distraction. Et ils n'avaient pas de problème parce qu'ils en tiraient bénéfice de notre pays. Mais notre pays, nous devions nous organiser. Nous devions nous organiser, ce n'était pas leur problème. Rappelez-vous de ce que Uhuru Kenyatta est venu à Kinshasa, où il a négocié pour avoir un contingent enfin qu'il puisse assurer la sécurité de tous ces camions qui quittaient le Kenya, qui vendaient du carburant à Ituri et dans le nord de la République démocratique du Congo. Ces commerçants-là, quand ils sont partis vers le président de la République, Uhuru à ce temps-là, Uhuru est venu au Congo pour négocier cet contingent-là. Et Félix a demandé au contingent kenyan de venir. Cette situation a été décantée parce que les commerçants voulaient justement vendre leur carburant et puis rentrer. C'est une situation qui a fait beaucoup enflouer, qui n'est pas vraiment connue dans beaucoup de gens. Mais nous avions vu, et je l'ai dit, si vous me suivez à Contact Pro Live, à ce moment-là, nous avions décrié cette histoire-là qui dit que non, il y a eu une crise d'insécurité totale dans l'Ituri là-bas. Et beaucoup de commerçants kenyans étaient bloqués et ne pouvaient pas faire évacuer, venir vendre leurs marchandises. Jusqu'à ce que ces contingents-là ont sécurisé ces camions et puis la situation est continue. Donc, l'insécurité gangrène sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et donc, le M23 est venu. Il a trouvé un terrain déjà comme ça, mais il se posait un problème. Cette rébellion étant déjà diabolisée par le président de la République et que les Congolais étaient déjà beaucoup plus en faveur du président Félix Tshisekedi, ne pouvaient pas digérer cette rébellion-là. Beaucoup traitent de cette rébellion-là, de traîtres, de tous ces beaux mots-là que vous pouvez dire.
ils ont été traités de tous les maux. Bah, ce sont des ennemis de la République, ainsi de suite. Ces gens-là, trouvant donc ce moment propice, ils se sont organisés. Mais il y avait maintenant un problème qui était celui de faire accepter cette rébellion-là pour qu'il y ait dans la population congolaise après les élections. Écoutez maintenant, quel était le grand problème de cette rébellion pour se faire accepter en République démocratique du Congo? Ça devrait être des Congolais. Mais malheureusement, les Congolais ne s'organisent pas, ils ne savent pas s'organiser. Les Congolais ne savent pas s'organiser. Ils doivent recourir toujours à une force extérieure. C'est comme ça que nous nous disons que notre ennemi, le Rwanda, a sponsorisé certains Congolais en le mettant en avant. Et donc l'opération qui continue maintenant, avec cette force militaire organisée, que l'ONU, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'ONU, Guterres qui disait que non, ah, moi je ne peux pas combattre le M23, c'est une armée bien organisée. Voilà le lit qu'on avait préparé pour le M23. Et le M23 continue à y dormir avec beaucoup d'allégresse parce qu'ils savent que là où ils sont en train de partir, il n'y a rien qui s'organise pour les contrer. Alors, il y avait un problème de leadership dont les Congolais devraient accepter. Et ce problème de leadership est en train de se mettre en place petit à petit, en adoptant. Un, ils ont adopté un gros poisson qui est Nanga. Ensuite, Jean-Jacques Mamba de l'UNC, de Bemba. Et puis, d'autres influenceurs d'opinion que vous aviez vu là-bas, notamment Harry Maggi, c'était justement la solution pour faire accepter cette rébellion en adoptant certains influenceurs, en adoptant certains grands pions. Et il y a d'autres qui sont en train de se préparer, je vous l'ai dit. Au moment opportun, je ne voudrais pas que je sois la source d'insécurité de certaines personnes qui se trouvent encore à Kinshasa, qui sont en connivence avec le M23. L'avenir nous le dira. Moi, je ne veux pas être, mais je vous préviens. Le jour que ça va arriver, rappelez-vous de ce que je vous dis. C'est pour cela que je vous conseille encore une fois de plus. Abonnez-vous à cette émission. Parce que ici, petit à petit, il y a des révélations que nous connaissons, que nous relâchons comme ça, petit à petit. Donc, le M23 est en train de résoudre justement ce problème de popularité et ce problème-là de cette diabolisation. On est en train maintenant, il faut crédibiliser le M23. Même si nous occupons, même si on peut arriver à Kinshasa, mais il faudrait encore que les Congolais acceptent. Le grand problème qui se pose, c'est cette diabolisation des Rwandais, que ce sont les Rwandais qui sont le problème du Congo. Non, ce ne sont pas les Rwandais. Et moi, je peux assumer ça. Moi, je peux assumer ça. Et suivez-moi dans cette partie des conclusions de cette émission. Parce que je me dis, notre problème, ce n'est pas à l'extérieur. La solution à nos problèmes ne viendra pas de Washington, ni de Paris, ni de Bruxelles. La solution pour notre pays, ça viendra de nous-mêmes. Félix Tshisekedi a loupé une opportunité dans son premier mandat, lorsqu'il formait l'Union sacrée. Il a loupé cette opportunité-là d'aller directement dans le grand problème, d'aller résoudre les grands problèmes qui se posent depuis l'indépendance dans ce pays. Et ce grand problème, c'est la maîtrise, la gestion de notre pays. Et la gestion de notre pays, c'est-à-dire quoi? Maîtriser la population congolaise, qui fait quoi, qui est qui en République démocratique du Congo, imposer une justice. Cette justice ne peut pas s'imposer comme ça en le déclarant. Nous devons l'implémenter. Et l'implémenter, c'est-à-dire refaire fonctionner le pays au niveau de la base. C'est ça que nous appelons ici la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Le président Félix Tshisekedi a manqué cette opportunité-là. Le président a manqué cette opportunité-là. Les jours où il créait l'Union sacrée, c'est ces jours-là. Suivez mes vidéos dans ce temps-là où je disais, il est grand temps de refonder le Congo. Appelons pour un nouveau Congo.
passons à la 4e République. Préparons cette 4e République. Le problème du Congo, c'est la maîtrise du peuple congolais à se mettre ensemble. Il n'y a pas de cohésion nationale. Le vol est devenu, disons, les antivaleurs sont devenus des valeurs en République démocratique du Congo. Quelqu'un peut voler comme ça et puis il s'en passe. Il s'en va comme ça. Et c'est là qui nous trouble. C'est à ce moment-là que je disais qu'il ne fallait pas qu'on aille avec des déclarations, mais qu'il fallait appeler le pays et mettre un système qui va faire à ce que le pays obtienne cette cohésion nationale qu'on n'en avait pas. Aujourd'hui encore, nous faisons un appel au président de la République. Tu ne peux pas terminer la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Tu ne peux pas le terminer par les armes. Ce qui peut terminer la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, c'est la refondation du Congo. Mettez un plan que je vais vous mettre, je vais en parler ici, sur Contact Pro Live, qui peut fédérer tout le monde à se dire « Ce pays nous appartient, ce pays nous devons le construire, ce pays nous appartient à nous, le peuple congolais. Nous devons nous connaître, nous devons collaborer ensemble, nous devons implémenter le pays, nous devons avoir des personnes qui travaillent pour les institutions, pas pour eux-mêmes. Nous devons soit gouverné. Et c'est ça le plan que nous ici, nous prenons ici, la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Elle se passera comment? 1. Nous avions demandé le président de la République de faire un appel aux états de lieu de chaque territoire. Pourquoi les territoires? Parce que c'est dans les territoires où se trouve le peuple congolais qui maîtrise leur environnement. En disant, ici nous n'avons pas un bureau, ici nous n'avons pas un port, ici nous avons... Et ce n'est pas à Kinshasa qui viendra nous faire construire ça. Ici nous avons autant, nous avons ceci, nous avons ceci. Si nous pouvons nous mettre ensemble pour gérer d'abord nos ressources ici dans notre territoire, nous pouvons faire ABCD. N'oublions pas que nous sommes en République démocratique du Congo. C'est ça le plan. Je parle tout simplement de la structure pour l'implémentation de ces états de lieux. Ces états de lieux devraient traiter quoi? Ils devraient traiter d'abord des problèmes d'une nouvelle constitution. Et le problème est de l'identification. Deux points. Le problème d'une nouvelle constitution et le problème de l'identification de la population habitant sur son territoire. Afin que nous puissions avoir des données vraiment exactes de notre pays. Ces résolutions-là devraient être applicables, c'est-à-dire que les gens vont commencer encore à faire confiance à l'administration territoriale, les gens vont commencer à avoir confiance à l'administration provinciale et les gens vont avoir confiance à l'administration générale ou globale de notre pays. Il faut commencer à faire fonctionner le pays là-bas. On ne peut pas commencer à dire que non, ces gens-là ne connaissent rien. Non. Excusez. Si ceux qui sont au Parlement aujourd'hui, ils ne sont pas venus de nulle part. Ils sont venus justement de l'arrière-pays. Les députés que nous avions choisis, en principe, dans une bonne démocratie, si les élections étaient bonnes, ce sont ces gens-là qui viennent de la population. Et d'où? Dans les territoires et dans les circonstances, dans les secteurs, nous devons réorganiser là-bas pour que le pays commence à fonctionner. Dès que nous aurons les données, dès que nous aurons maintenant à réfléchir sur une seconde république, nous pourrons maintenant faire des élections ou bien faire un référendum pour à l'adoption d'une nouvelle constitution. Ces conférences ou ces états des lieux vont faire à ce que les gens puissent se mettre d'accord au niveau des territoires et ces résolutions-là pourront être maintenant avec de nouvelles personnes qui seront envoyées des territoires vers la province pour aller harmoniser le texte de cette nouvelle constitution. Ça ne sera pas quelque chose, on envoie les gens là-bas pour aller dormir. Non, ils iront travailler sur une nouvelle constitution. Ils vont mettre ensemble les idées qui viennent des territoires, les harmoniser, le mettre en musique avec les juristes et puis tout le monde qui connaît les droits. Et ces résolutions-là, ils vont aussi prendre, je ne sais pas, un dixième de ces gens-là
qui iront au niveau national. Et vous, et là, les gens qui iront là-bas, ce seront les gens qui ont la tête, qui réfléchissent, qui ont étudié. Ça ne sera pas des gens comme ça qu'on ramasse dans la rue. Ça, c'est la sélection que nous, nous pensons qui pourra vraiment aider le Congo. Nous continuerons à développer ça. Donc, soyez vraiment branchés à Contact Pro Life. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. On continuera à parler de ça petit à petit. Qu'est-ce que nous ferons? Mais nous vous disons que c'est ça au moins l'idée générale pour la sortie des crises que nous proposons ici à Contact Pro Life. Donc, merci donc pour vous, tous ceux qui continuent à vous abonner. Merci en tout cas. Je suis très content de voir quand vous commentez nos vidéos, lorsque vous nous appelez pour discuter des points que vous ne comprenez pas ou bien que vous voulez suggérer, ça me fait énormément plaisir. Ça me fait énormément plaisir. Je me dis que je ne prêche pas dans le désert. Donc, continuez à partager l'émission, continuez à envoyer, à laisser des j'aime pour protéger. Si vous n'êtes pas aussi d'accord, continuez à mettre des... Moi, je suis vraiment libre, je suis libéral plutôt. Je cause avec tout le monde. En tout cas, je suis content lorsque je suis en train d'interagir avec vous. Merci donc, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien, au revoir.